un territoire, des hommes, une ambition. C'est en résumé ce qui a prévalu lors de la création de l'agence foncière en 1989 avec Georges Gruyot, alors président du département du Doubs, et de l'association des maires. Il suffit de relire le compte-rendu de l'Assemblée générale constitutive de l'agence du 12 décembre 1989 pour comprendre que les enjeux fonciers étaient déjà les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Une politique dynamique de développement et d'aménagement ne peut se réaliser sans une action parallèle de maîtrise des sols. Bien des projets ont été annulés ou différés faute de terrains disponibles. Et pourtant, les outils existent pour mener une bonne politique foncière. Mais il y a ceux que l'on ne considère pas comme tels, notamment le temps et la négociation. Création de l'agence foncière. Dès sa création, l'agence fait rapidement la démonstration de son efficacité et développera un véritable partenariat avec le département et les communes. Création d'un établissement public foncier local. Le besoin des collectivités évolue avec une attente en matière de portage foncier. Victime de son succès, c'est l'agence foncière qui était mandatée pour réfléchir à cette création. Philippe Alpi succède à Joseph Thirode comme président de l'EPF. Dès septembre, il demande au conseil d'administration d'engager un nouveau processus d'extension sur la Bourgogne-Franche-Comté, avec mandat à Joseph Thirode, premier vice-président, et Charles Mougeot, directeur, de l'accompagner dans cette mission. Arrêté d'extension et naissance officielle de l'EPF Bourgogne-Franche-Comté. Après de nombreuses réunions d'échange avec l'établissement public foncier local du Grand Dijon, le principe de l'extension de l'EPF à la Bourgogne-Franche-Comté est décidé par son Assemblée Générale le 20 septembre 2016, puis validé le 18 novembre 2016 lors d'un comité d'administration régional. L'EPF du Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, c'est une équipe et une ingénierie technique, juridique et financière au service des collectivités membres. L'EPF a vocation à acquérir directement des biens fonciers et immobiliers, les porter, les gérer, puis les rétrocéder à la collectivité membre lorsqu'elle est prête à lancer son projet. L'action foncière conduite par l'EPF a pour objectif d'accompagner le développement durable du territoire et le renforcement de son attractivité. Il doit ainsi faciliter la réalisation des zones d'activité décidées par les collectivités, mais également les projets de développement d'un habitat diversifié ou à l'accompagnement de projets ayant de fortes incidences sur l'occupation de l'espace. Il est aussi un outil réactif pour répondre aux opportunités foncières et immobilières qui peuvent survenir au cœur même des villes et des villages. Conformément au code de l'urbanisme, son périmètre d'intervention correspondra au périmètre du territoire des structures intercommunales qui le composent. Au 31 décembre 2019, l'EPF couvrait 5 communautés urbaines ou d'agglomération, 27 communautés de communes et 1019 communes pour une population de 945 201 habitants. Ce site il a été quitté en 2009 par l'entreprise Eiffage Métallique. C'est un site industriel qui date du début 1920, quelques années comme ça. Et donc c'est un site métallurgique. En plein centre du village, avec toute la difficulté qu'il est entouré de riverains, de voisinage. Et la commune d'Arbouan a chuté en population depuis les années 2010, en dessous de 1000 habitants. Il était crucial pour nous de pouvoir redynamiser cette population qui chutait et donc de pouvoir réinjecter donc un projet d'habitat. Le seul terrain que nous avions à disposition était cette friche. Et donc les élus, après plusieurs années de réflexion et avec plusieurs années de négociations avec l'acquéreur, ont réussi à récupérer ce terrain grâce à l'EPF. L'EPF nous a aidés essentiellement pour l'acquisition, à la fois dans les études et aussi la vente, hein, puisque les études, on n'est pas toujours aiguillé dans les petites communes pour savoir si c'est intéressant d'acheter, pas intéressant d'acheter. Le prix du marché et puis tout ce qui concerne l'accompagnement dans l'acte de vente par rapport à un propriétaire. Et là, c'était quand même un site sensible puisqu'il y avait quand même pas mal d'appareillage et de la pollution dans les sols. Donc on a bien suivi vos consignes et bien compris toute l'importance que vous aviez à nos côtés. Nous avons lancé le projet de revitalisation en 2016. Nous travaillons avec des bureaux d'études pour ce projet qui est global, et notamment sur l'aspect habitat, la revitalisation de l'habitat, parce que nous avons
des immeubles très dégradés au centre-ville, et il nous semblait normal que ce soit la ville qui s'occupe, enfin qui montre l'exemple sur ce chantier. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de l'établissement public foncier, de façon à pouvoir porter le financement des immeubles. L'EPF est intervenu à 3 reprises pour des acquisitions, avec un bail commercial, avec des appartements dont certains sont actuellement loués. Et bon, cela va se poursuivre, il y a d'autres immeubles en vue. Ben jusqu'alors, nous sommes entièrement satisfaits de l'intervention de l'EPF, bien entendu. On souhaite bien évidemment que cela se poursuive. L'inquiétude est de pouvoir maîtriser le foncier sur l'ensemble de l'îlot, pour pouvoir ensuite faire un curtage, parce qu'il y a beaucoup de dépendances qui sont dans un état de délabrement avancé. Donc il faudra effectivement reconstruire un quartier. C'est une très grande chance d'avoir un EPF qui soit venu sur le territoire du Jura et plus particulièrement sur la ville de Salins. Tout simplement parce que lorsqu'on veut redynamiser une ville, il faut reprendre la maîtrise foncière de son territoire. Et vous connaissez l'état des finances de nos petites villes. Nous n'avons pas forcément les moyens d'aller acheter des immeubles entiers. Et le portage que vous faites est pour nous une aubaine et absolument extraordinaire. C'est un levier indispensable pour nos villes pour pouvoir avoir des projets. Et actuellement à Salins, grâce à vous, nous allons pouvoir reprendre la Visitation qui avait été vendue à l'office HLM. Vous nous avez aidé aussi sur les deux immeubles emblématiques des entrées de ville. Donc pour nous, le portage que vous faites est absolument essentiel dans notre dynamique de redynamisation. Si vous voulez, il y a des moments dans la vie d'une collectivité, comme dans n'importe quelle circonstance de la vie personnelle ou sportive, on a besoin d'un partenaire. Parce qu'il se produit un événement face auquel on doit réagir et où seul, on n'a pas la capacité de le faire. Une collectivité ne peut pas, du jour au lendemain, décider d'acquérir un bâtiment à 800 000 euros qu'elle n'a pas prévu d'acquérir. Et quand la maison des spécialistes appartenant à une société civile s'est trouvée en situation d'être cédée, le risque pour la collectivité, c'était que ce lieu d'accueil pour des professionnels de santé cesse de répondre aux besoins qu'il satisfaisait jusqu'à présent, avec éventuellement même un délitement de l'offre de santé. Donc il y avait une nécessité que ce bâtiment soit repris et conservé dans sa fonction, et qui n'était plus assumée par les partenaires de la SCI. Évidemment, un investissement de cette nature, non prévu budgétairement, aurait pu finalement aboutir à une perte de capacité d'accueil et d'offre de soins dans le territoire. Donc quand nous avions appris l'existence de l'établissement foncier, nous nous sommes dit que ça pouvait être un beau projet. Et donc nous nous sommes rapprochés de vous. Et bien ça s'est fait. Ça s'est fait sérieusement mais simplement. Sérieusement parce qu'il faut quand même un certain nombre d'éléments, on ne claque pas des doigts. Mais ça s'est fait rapidement, simplement. Et aujourd'hui, non seulement le bâtiment est porté par l'établissement foncier pour notre bénéfice et nous a permis de sécuriser les professionnels de santé existants, mais également de faire une offre d'accueil complémentaire avec déjà de nouveaux professionnels qui s'installent. Et c'est une belle réussite, et sans ce partenariat, on n'aurait pas pu faire. C'est le territoire d'Arcade qui était intéressé, parce que c'est un outil de développement stratégique qui est indispensable. Depuis 2008, en fait, je réclamais au département que l'on puisse bénéficier de cette opportunité que je connaissais dans d'autres départements et qui permettent de saisir des opportunités quand elles se présentent. Vous imaginez bien que dans nos budgets, il est impossible, en fait, d'avoir les sommes allouées pour pouvoir saisir l'acquisition d'un bâtiment, puisque quand ça se décide, ben voilà, c'était pas prévu quelques mois à l'avance. Et donc là, eh bien, l'EPF est l'outil extraordinaire pour pouvoir faire la stratégie de développement. Un cas concret et puis qui va montrer en fait l'enjeu,
Nous avions déjà fait l'acquisition de la friche Saran, donc l'ancienne usine Saran qui est située juste à côté du lycée technique. Donc autant dire que elle avait un emplacement stratégique pour nous. Et en fait, après, la maison qui était située à côté a été mise en vente. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas pu saisir cette opportunité parce qu'on n'avait pas l'argent disponible sur le budget. Donc par le biais de l'EPF, ça nous permet de saisir cette opportunité. Et l'EPF est un bon relais puisque c'est lui qui finance pour nous. On paye 1% de droits, donc c'est correct, 1% de droits par an. Et puis ça nous laisse le temps de préparer en fait l'utilisation de cette place stratégique. Et en attendant, et bien, les locataires qui étaient dedans louent toujours. Donc ça vient dégréver, entre guillemets, le prix d'achat que l'on retrouvera au bout du compte. Donc vraiment, c'est du gagnant-gagnant extraordinaire. Nous avons, sur la communauté urbaine, constaté que nous avions un bâti privé qui n'était pas de très bonne qualité. Nous avons rénové le logement social pendant des années. Le logement privé, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on avait besoin de lancer diverses opérations pour traiter le logement privé. Alors, on en a lancé plusieurs, notamment une opération qu'on appelle l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a été très conclusive et qu'on va poursuivre. On a lancé des opérations comme Bimby. Et puis, il nous manquait un outil, on va appeler ça un outil puissant, pour pouvoir intervenir sur les îlots urbains dégradés. Et j'ai souhaité, à un moment, mettre en place un EPF, si c'était nécessaire, avec d'autres intercos. Bon, ça n'a pas marché, parce que, pour moi, il était essentiel d'avoir comme outil l'EPF. C'est ce qui nous permettait de faire des acquisitions, améliorations. Et nous seuls, on ne pouvait pas le faire. Et donc, nous avons saisi l'opportunité de l'ouverture de l'EPF du Doubs, d'adhérer à l'EPF du Doubs, parce que nous avons besoin de traiter ces îlots urbains qui sont en nombre. C'est vrai sur les villes centres, mais pas que. Les villes de première couronne également, et le rural sur les centres-bourgs. Donc avec l'EPF, nous avons cette souplesse maintenant, cette facilité qui nous dégage bien, nous, pour ne pas être l'opérateur direct, et de laisser l'EPF faire, c'est son métier. Et l'EPF le fait très bien. Et depuis que nous avons adhéré à l'EPF, donc en septembre 2017, nous avons engagé plusieurs opérations. Ça va être sur du long terme, forcément, mais nous avons déjà des acquisitions en nombre, puisque nous avons 5 acquisitions sur les villes-centres, 6 qui sont en cours de discussion, mais nous avons aussi lancé des opérations sur des communes plus petites, sur Marmagne, par exemple, sur Saint-Symphorien de Marmagne, également sur Marigny, sur Blanzy, avec des acquisitions d'immeubles, notamment, pour pouvoir soit porter un projet par la commune, soit alors pour libérer du foncier. Donc, nouveau président d'une structure, une communauté d'agglomération. Dans le mot EPF, je veux retenir le terme, la lettre P, parce que pour moi, ça correspond à un des objectifs de la structure qui est le portage. Et je veux vraiment souligner l'intérêt du portage en matière immobilière, notamment pour un élu qui a une opportunité, qui n'a pas prévu dans son budget et qui, grâce à l'EPF, peut saisir cette opportunité et mûrir son projet pour demain. Ça me paraît essentiel. Et ça me permet de dire également que l'EPF, nous sommes de nouveaux adhérents, mais pour nous, l'EPF a déjà travaillé sur le territoire d'Éclat, et notamment sur la ville de Lons-le-Saunier, et plus particulièrement dans le domaine de l'habitat. Et là, je trouve aussi que c'est un lieu important d'action de l'EPF, et à Lons-le-Saunier, je crois, et j'en suis certain même, que ça rendra un grand service à Éclat pour une rénovation urbaine, une réhabilitation de l'habitat, et souvent avec une connotation sociale. Nous avions des bâtiments qui étaient quand même au cœur du village,
et qui commençait à se dégrader, hein, et du coup inoccupé. Et on a questionné donc le propriétaire pour savoir s'il était vendeur ou pas. Pendant très longtemps, il n'a pas été vendeur. Et là, il s'est décidé à vendre. Et du coup, c'était exactement au même moment où la communauté urbaine a adhéré donc à l'EPF. Et on a profité donc de cette opportunité pour demander à l'EPF d'acheter pour nous ce bien. Ce qui nous a permis, pour une commune de 159 habitants, ce qui nous a permis de ne pas avoir de conséquences sur notre trésorerie et d'envisager des travaux assez rapidement, puisqu'on a besoin de locaux pour la commune et nos employés. Et donc, on souhaitait, plutôt que de faire du neuf, plutôt s'axer sur des bâtiments au cœur du village et éviter ces dégradations qui sont vilaines, quoi. Et donc, du coup, l'EPF nous a permis cette opération. Et surtout, l'opération en elle-même, on aurait presque pu la faire. Mais après, on était complètement saturés financièrement. En plus, on a des emprunts qui vont se finir dans pas très longtemps. Donc, ça va être juste le moment de racheter ou de prévoir plus de travaux, des choses comme ça. Donc, l'EPF, ça a vraiment été une bouffée d'air pour nous. Et il faut savoir aussi que nous avons qu'une secrétaire, pas de service juridique. Et du coup, l'EPF a pris ça tout en charge. Donc, il y avait des droits de passage, des choses comme ça. Et ben, on s'est occupé de rien. Et ça, c'est vraiment appréciable pour une toute petite commune qui n'a pas de service juridique. Pour moi, je peux vous dire que je pense un grand bien de l'EPF, que je connais, que je côtoie et que j'utilise, entre guillemets, depuis sa création, hein, il y a 10 ans, en 2007, puisque à ce moment-là, j'étais conseiller communautaire. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de l'EPF qui se crée. Et là, pour moi, c'est un double titre en tant que président de cette agglomération qui utilise, je le répète toujours, ces grands services qui sont apportés par l'EPF, mais aussi en tant que maire d'une commune petite ou moyenne, Fèche-le-Châtel, pour laquelle nous avons aussi, avec l'EPF, fait des acquisitions pour tout à fait dans l'esprit du fonctionnement de l'EPF, pour ensuite les racheter par la commune à l'EPF, de façon à faire des aménagements urbains. Et aujourd'hui, l'EPF est un maillon important dans le cadre de notre développement économique. Des grands chantiers sur le pays de Montbéliard cette fois, hein, tant dans les communes, dans les 29 communes au départ et maintenant dans les 72 qui nous rejoignent, sont mis en œuvre grâce au travail préalable que fait l'EPF avec ses agents qui sont sur le terrain, qui négocient les achats de terrain, mais aussi dans un but bien précis du développement. Hein, on ne fait pas, l'EPF ne se substitue pas aux collectivités. Sans un but bien précis. Il faut que l'on ait un objectif d'aménagement de territoire, que ce soit dans le cadre d'habitat, que ce soit dans le cadre du développement économique, dans le cadre du développement environnemental, etc. Là, on a besoin d'un tel service. Et aujourd'hui, le travail est tout à fait justifié et remarquable, je dirais, parce que véritablement, les gens sont au service des collectivités. Bon, il y a un coût, mais c'est normal, parce qu'il faut faire fonctionner. Qui a d'ailleurs évolué, parce qu'au départ, le portage était de 4 ans, maintenant, il est passé à 8 ans, on peut même aller un peu plus loin. Donc, je trouve que véritablement, c'est un grand service qui est rendu aux collectivités. Et le pays de Montbéliard je crois qu'on va le maintenir sur ces prochaines années. Le premier vice-président, qui est de Montbéliard, enfin de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, Joseph Thirode, qui était un des fondateurs, et qui est très actif, mais qui a aussi une grande envie que ça marche bien. On va dire que cet ensemble et tous les biens ont été vendus à la Révolution en bien national. Et donc, depuis cette époque-là, ce bâtiment a été acheté par des privés et il a été transféré en ferme. Et aujourd'hui, nous, pour ce qui nous concerne, ça nous intéressait de reprendre ce bâtiment, puisque nous n'avons plus également, il y avait aussi à l'époque ce qu'on appelait l'église Notre-Dame de la Vierge, dont il ne reste plus rien, qui est presque à côté là, qui avait été détruite également au cours de la guerre de Cent Ans.
Et puis en parallèle, nous avons des églises paroissiales qui possèdent 200 mètres carrés de peinture, de fresques, de peinture murale qui ont été restaurées depuis la découverte en 1983. On a plus de 30 ans de travaux par différentes tranches, quoi dire. Et puis cette église qui a quand même non seulement ses fresques, elle est typique, puisque sa reconstruction avait commencé vers l'an 1000, et nous avons bien sûr pour l'époque une partie romane, 12e et 13e siècle, et une partie gothique fin du 13e en allant vers le 15e siècle. Et les fresques sont également de ces deux périodes. Donc l'histoire de Moutier maintenant est menée par les amis de Moutier, qui ont de nombreux adhérents et qui nous apportent des visiteurs du monde entier. J'ai fait appel au l'EPF. Déjà, premièrement, en tant que vice-président de la comité de commune, nous avions eu une rencontre qui remonte maintenant à 2-3 ans entre M. Mougeot, M. Laude et le président. Et une rencontre qui nous a expliqué le schéma de l'EPF, notre président et les vice-présidents présents avaient trouvé assez séduisant. Puisque en fait, il y avait quand même un portage qui pouvait se faire étaler sur un certain nombre d'années. Moi, dans mon cas, il y avait cette histoire de portage, mais bon, on aurait pu encore faire l'achat. Et puis, il y avait aussi la famille, je la connaissais bien. Madame, la propriétaire, elle s'était décidée quand même avant. Ses enfants arrivaient à la décider. Et bon, c'est des gens que je connaissais bien. J'avais aussi la personne de chez vous qui faisait le négociateur, qui était quand même un grand facilitateur, pour dire la vérité. Alors, nous intervenons effectivement avec l'EPF sur ce gros dossier qu'est la transformation et la reconstruction du centre commercial des Hexagones. Et nous travaillons avec l'EPF parce que nous avons depuis un certain nombre de mois, voire d'années, l'habitude de travailler avec cet établissement public qui acquiert et qui gère pour le compte des collectivités des biens immobiliers ou des biens fonciers et qui permet de soulager la collectivité en termes de temps de travail et en termes de capital investi au démarrage des achats immobiliers. Nous avons acheté plusieurs biens immobiliers au cours de ces dernières années, des terrains, des maisons, un ancien Lidl, surface alimentaire. Et pour ce gros dossier que sont les Hexagones, où il y a 33 cellules commerciales à acheter, il nous a paru important de travailler avec un professionnel de l'achat et de la gestion immobilière qui en plus apporte la garantie du sérieux du public et qui nous permet à la fois de maîtriser le dossier parce que nous travaillons en collaboration bien sûr avec l'EPF, mais en même temps de se dégager de ce temps de travail et de cet investissement financier qui serait extrêmement élevé pour la collectivité. Nous ne pourrions bien sûr pas acheter une trentaine de cellules en même temps. Donc nous rémunérons l'EPF puisque le coût de l'achat correspond tous les ans pour la collectivité à 1% du prix du capital, mais ça nous permet de travailler en toute tranquillité, de prendre le temps de faire bien les choses, puisqu'il n'y a pas d'urgence à travailler en achetant et en revendant les cellules. Et puis, il y a au sein de l'EPF des professionnels en matière juridique et de négociation commerciale que nous n'avons pas au sein de notre collectivité, ce qui nous permet donc de travailler en toute confiance et avec un professionnalisme avéré. La communauté d'agglomération du Grand Besançon participe depuis 2007, effectivement, à cet établissement public foncier. Et aujourd'hui, nous participons à son développement, tant au niveau départemental qu'au niveau régional. Alors, pourquoi l'EPF? Quel est l'intérêt pour une collectivité de l'EPF? Vous savez bien qu'aujourd'hui, la disponibilité et le coût du foncier sont quelque chose qui est très prégnant dans la conduite d'opérations. Et il faut que nous ayons à nos côtés les compétences, l'ingénierie, la technicité, les services d'un établissement public foncier, et c'est ce que vous faites ici. Et je tenais déjà tout d'abord à vous remercier, car sans vous, nous n'aurions pas pu faire de grandes opérations, ou plus difficilement. Je vais prendre un exemple, l'exemple du travaux de TCSP, que vous avez porté pendant plusieurs années grâce à nous. Résultat, zéro expropriation. Ça, c'est un vrai succès. Les Vettes, Vauban et beaucoup d'autres projets. Et dans les communes du Grand Besançon,
38 communes ont eu recours à l'établissement public foncier du Doubs pour traiter 76 dossiers. Donc, un établissement public foncier important, capital, indispensable pour l'ensemble du Grand Besançon. Donc, tout simplement, bon anniversaire, merci et continuons ensemble. Depuis la création de l'agence, que de chemin parcouru. Dans un contexte de réforme de nos collectivités et de contraintes économiques et financières, l'EPF a su s'adapter et accompagner les mouvements des territoires. Ensemble, nous serons plus forts pour favoriser les projets d'habitat et le logement social, permettre le développement économique pour soutenir l'artisanat, le commerce, le tourisme, l'industrie, et accompagner les collectivités pour leur équipement public, faciliter les opérations de renouvellement urbain et la requalification des centres-bourgs, qui, durement touchés par la désertification, faute d'outils pour aider les élus dans la maîtrise foncière et son financement, l'EPF est maintenant accessible. Accessible au plus grand nombre, au service des collectivités et de leurs projets d'intérêt général. Aussi, j'invite l'ensemble des élus des interco, et notamment ceux issus de la fusion des EPCI, à saisir l'opportunité d'une adhésion à l'EPF pour se donner toutes les chances et tous les outils nécessaires au développement de leur territoire. Élu de terrain, je sais que sans l'EPF, de nombreux projets ne pourraient aboutir faute de maîtrise foncière. L'EPF est là pour vous accompagner. L'adhésion est gratuite depuis l'instauration de la taxe spéciale d'équipement pour le financer et les frais de portage annuels, y compris l'ingénierie technique et juridique, sont de seulement de 1% pour les 4 premières années de portage, parmi les plus bas de France. Les 14 présidents de PCI et les 526 maires adhérents de l'EPF sont les mieux placés pour exprimer l'intérêt d'un outil de portage foncier. N'hésitez pas à les solliciter, ils seront de très bons conseils. Merci à vous pour la confiance accordée à l'EPF Doubs-Bourgogne-Franche-Comté.